Hey, bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 10 de la série La Ferme Abandonnée. Je suis content de vous retrouver en ce lundi. J'ai réfléchi tout le week-end, bon pas vraiment tout le week-end parce que je vous tourne cette vidéo donc la veille, hein, le dimanche. Et là, j'ai pépite à vous annoncer, j'ai pas mal de choses à vous dire. On va passer tout de suite par contre en jeu, parce qu'on n'a vraiment pas de temps à perdre, hein, comme vous le voyez. On va acheter une nouvelle parcelle. Et pour ça, on aura quelques petites missions à faire. Donc, on va finir de presser le blé, premièrement. Et avant, on va mettre un petit ouvrier sur une petite mission. Donc, on va juste vérifier si l'ami va bien vouloir travailler correctement. Il est parti. Nickel, hein, j'ai déjà commencé à ramener le matos. J'ai déjà fait une mission en off, puisqu'on va faire deux missions de fauchage. De fanage pour faire donc des balles de foin. Puisque j'avais dit, hein, donc pour les contrats, on ne peut pas emprunter le matériel qu'on nous propose. Hein. On est obligé d'avoir notre propre matos. Donc tout ce qui était enrubanné, c'était impossible à faire. Je me suis creusé la tête, hein, pour vous dire, ça fumait. Hein. J'ai pas l'habitude que ça fume là-dedans, mais bon, c'est comme ça. Alors je m'excuse aussi, j'ai un petit peu la crève. En même temps, j'ai toujours la crève. J'ai la crève 365 jours par an minimum. Décharger la presse, on va mettre le dépôt automatique. Donc, j'ai réfléchi à pas mal de choses, comment on allait procéder, ce qu'on allait faire, et je me suis dit, on va donc faire deux missions. Ces deux missions vont nous rapporter un petit peu près environ 15 000 euros, si je dis pas de bêtises. Suite à ça, on va aller vendre 6 balles en rubané, qui vont nous rapporter pareil 6 000 euros, donc on aura 20 000. Et la parcelle d'herbe, de toute façon, vous le voyez à la miniature, à mon avis, je ne sais pas encore ce que je vais mettre en miniature, mais je pense que ça sera notre nouvelle parcelle. Donc on va aller acheter la 98, la parcelle d'herbe, qu'on va, dans les prochaines vidéos, faucher, mettre en enrubané pour pouvoir revendre. Mais pas que, je vous dis mais pas que, parce que j'ai eu une autre idée. Et là, je vous prépare à... Alors par contre, on va être embêté... Il n'y a plus du tout de... Attends, on va faire un petit tour. Il n'y a plus du tout de blé. Là, on a 84% de blé de paille. Oh, je pense pas qu'on arrivera à finir, malheureusement. J'ai peur, du coup, que... Ça va nous sortir une balle de... De paille, malheureusement. Ça ne sortira pas une balle de foin pour la mission. 91, non, on a plus rien, on a vraiment plus rien à... One eternity later. Ouah, ça y est les amis. Après avoir fait les deux champs, j'ai enfin réussi à trouver les 100%. Donc on va décharger ici au moins la presse, ce sera vite pour le contre. Oh là là. C'était un sketch, je vous assure. J'ai dû mettre 5 minutes à trouver, donc je vous ai coupé ça au montage. Hein. Sinon, vous allez voir quelqu'un faire des tours de champ pendant 5 minutes. Ah, là, la presse, elle n'a pas bugué, par contre. En fait, en déchargement manuel, bug pas, en déchargement automatique, quel bug. C'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, le tracteur, je vais le laisser ici. On va aller voir vite fait le copain qui s'en sort plutôt bien. Et j'ai préparé le Valtra. Et on va aller directement avec tous nos tracteurs faire le contrat. Là, c'est... On n'a pas de temps à perdre, on reviendra. Bon, ça, je pense que je le ferai en accéléré. Venir rechercher le plateau pour pouvoir charger. Mais bon, on va pas s'amuser à faire que des allers-retours en vidéo, ça va pas être cool. J'ai juste envie de vous faire un aller pour voir où, un petit peu où est le champ du contrat et puis se balader dans cette magnifique map qui est Castelnau. Hein. Je trouve ça vraiment sympatoche. Alors, logiquement, CTRL. Non. Non. J'ai plus le... Ah si, voilà. Suivre Valtra. Ok, il me l'a pas pris. Ok, là, il me l'a pris. Nickel. Donc, si je fais ça... Logiquement, il va me suivre. Ouais, voilà, nickel. Ça nous évitera de devoir chercher les deux tracteurs. On va mettre les gyros. Oh, vous voyez, j'ai fait ça. J'ai préparé les... Ça va, c'est que c'est pas des grands champs, donc au final avec notre plateau ça va aller. Et je vais profiter du voyage, hein, pour mettre un petit peu
enfin, pour améliorer un petit peu les, comment dire, les règles de la série, tout simplement parce que je vous avais dit que si on commandait, waouh, oh c'est joli de passer sous le pont, mais c'est un petit peu étroit. Que si on commandait, donc fallait qu'on commandait l'épisode d'avant pour se voir le matériel neuf, hein, on n'avait pas le droit. Et puis le dernier épisode, je vous avais dit, ouais, peut-être qu'on aura un plateau et tout. Et là, non. Donc je vous mets à l'écran maintenant le bon de commande. Il faudra qu'on remplisse ce bon de commande-là dans la vidéo pour valider l'achat. Si je ne vous ai pas présenté ce bon de commande-là dans une vidéo, on ne pourra pas avoir le véhicule. Au moins, ça va permettre d'ajouter un petit peu de difficulté parce que le. Peut-être que oui, mais que j'ai rajouté en dernière minute. Voilà, c'était pas ce que j'avais dit au premier épisode. C'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie vraiment que ce soit un petit peu plus compliqué. Et là, j'ai bien aimé ce week-end. Hein, ça paraît, c'est bête, hein, mais de réfléchir à comment faire pour, hop là, pour réussir. Parce que là, vraiment financièrement, c'est un peu compliqué ce début de série. Et c'est ça qui est drôle. Il n'a pas bloqué le coping? Non, il est là. Ah, c'est stylé en vrai. Bon, là, après, c'est normal hein, qu'on le mange un peu. Hein, on a... Le Valtra, il est un petit peu plus puissant. Je vérifie si je. Ouais, non, c'est toujours tout droit maintenant. Ok. Donc, ce que je disais, ouais, donc il y aura ce bon de commande là. Et pareil pour les bons. Alors, j'ai mis bon de location. Je vais plutôt mettre contrat de location parce qu'un bon de location, je suis pas sûr que ça existe. Je vous le présente là comme ça. C'est des trucs que j'ai fait hier soir, vite fait. Donc bon, il y aura peut-être des petites corrections. Tout ce qui est en flou, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pour faire plus réaliste. Hein, j'ai caché un petit peu des trucs de banque, des trucs comme ça. Même si je mettais des chiffres au hasard, j'ai dit avec la chance que j'ai, je vais qu'à réussir à taper un vrai RIB. Donc non, tout ce qui est flouté et tout, c'est normal, il n'y a pas d'inquiétude. Mais voilà, je vous mettrai juste l'indice. Mettons là sur l'exemple, c'est tracteur et puis Ben. Je vous mettrai, alors, je vous mettrai pas exactement le modèle, exactement la marque pour laisser un petit peu de, pas vous spoil, pour laisser un petit peu de suspense dans l'épisode. Hein. À la limite, je pourrais peut-être mettre des indices. Je sais pas ce que vous en pensez, la couleur, si c'est une benne, le nombre d'essieux, voilà, vous savez un petit peu, genre comme ça, vous pouvez chercher un peu, dire, ah, qu'est-ce que ça peut bien être. J'irai, pourquoi pas, si ça peut être intéressant. Bon. C'est pas le sujet principal, mais en tout cas voilà. Donc il faudra bien ces deux bons-là, de location et ou d'achat, sinon ce ne sera pas comptabilisé pour la prochaine. J'ai complètement. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Oui, j'ai complètement raté. Je vous parlais. Je me disais tout à l'heure, j'y suis allé, ça ressemblait pas à ça. C'est pas grave. Hop, on va faire ça. Et on y retourne. Par contre, il y a le tracteur qui est bloqué. Donc vous voyez, franchement, c'est sympathique. Oula. Et le petit mute juste à temps pour éviter de vous casser les oreilles. Ah, j'ai attrapé la crève, c'est horrible. J'ai une gorge en feu, donc je m'excuse hein, pour la voix. Ça, malheureusement, c'est la saison. Alors voilà, on est arrivé sur le champ du contrat. On va désatteler. Ça, vous voyez, ça va, il travaille bien. J'espère qu'il m'a pas trop fait de dinguerie. Je pense pas, il a l'air d'être plutôt correct. Tac, je vais le mettre en route. Est-ce que je vais faire, les amis, pour pas vous refaire la route une deuxième fois, parce que l'autre ouvrier, il est bloqué, hein, comme par hasard, on va dire. Vive les ouvriers de farming, c'est vraiment... hallucinant. Encore quoique, j'ai peut-être, ouais, je vais pas le mettre tout de suite parce qu'en vrai, il est long. Bon, les amis, on fait une petite ellipse. Je m'en vais rechercher, voilà, le petit ouvrier qui est bloqué et on se retrouve tout de suite pour la suite du contrat. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, ça y est, j'ai enfin ramené ce petit Ford au contrat. Ça a pris du temps, j'avoue que oh, il est long le Ford. Comparé au Valtra, ça allait tout seul, mais là, dis donc. C'était un enfer. Mais bon, ça va être drôle hein, pour la parcelle. Pour la parcelle, bah justement, j'y pense. Ce qu'on va faire vite fait, tant que... on peut peut-être... Non, on va attendre ça. C'est nous qui allons faner. On l'a pas encore fait en vidéo. J'essaye aussi de ne pas vous montrer des trucs trop répétitifs. On va vite fait aller voir la parcelle.
que l'on va acheter. Parce que je vous l'avais montré en screen, j'étais pas allé avoir avec vous directement. Et voilà, ouais, donc j'essaye de pas trop vous montrer des trucs trop répétitifs. Hein. Je sais qu'en ce moment, le pressage, on en fait pas mal, mais là, malheureusement, c'est la période qui s'y prête. Et en contrat, je sais pas si c'est un bug sur Castelnau la première année, mais j'ai que des contrats de pressage. J'aurais voulu faire une petite récolte à la limite, mais j'ai pas. J'ai que du pressage de rubané et ou de foin. Donc malheureusement, comme je l'ai dit, en rubané, on peut pas parce qu'on n'a pas le matos. Ah, je suis en train de mettre anglais, excusez-moi. On n'a pas le matos, je pouvais pas le louer puisque j'ai pas fait ce bon de location. Et j'y tiens vraiment, mais bon. Non, vraiment, ça va rendre la série un petit peu plus palpitante. Et il y a un autre truc qui va rendre la série palpitante de fou. J'ai trop hâte, je vous explique ça juste après aussi. Donc voilà, c'est cette petite parcelle-là, vous voyez. Donc on rentre ici, on a un petit peu de prairie, un petit peu d'herbe. On est juste à côté du bois, avec une magnifique vue sur le pont. Donc de Castelnau, et franchement, je la trouve tout simplement magnifique. Donc, oui, elle est un petit peu loin de la ferme. Oui, effectivement, ça aurait été plus rentable niveau gasoil, niveau tout, d'être au bord de la ferme. Mais bon, on est là aussi pour se faire plaisir. Et je pense qu'une petite parcelle un petit peu éloignée, ça va faire un petit peu de route, ça va nous changer les paysages. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Alors, hop, nous là, ce qu'on va faire, donc on est parti. Veuillez mettre oui. Tac, et on le baisse. Ah, j'étais déjà baissé. Et on fan. Oui, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, ok. Ah, et les ouvriers, ils sont horribles. Vraiment. Elle est pas en route, ok. J'espère vraiment que dans le F5, dans le FS25, là, c'est ce qui va vraiment améliorer les ouvriers, qui soient vraiment un peu plus intelligents. Là, on nous a promis des ouvriers intelligents, mais je sais pas où ils sont allés chercher leur niveau d'intelligence. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, je regarde en même temps parce que oui, bah, je vais faire les commentaires tout de suite. Tiens. Vous avez été nombreux encore à quelques-uns à commenter, mais je trouve ça vraiment super sympathique. Franchement, ça donne de la force de ouf. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est 130 abonnés. Pareil, c'est fou, franchement. Je monte facilement de 4-5 abonnés par jour et je trouve ça super cool. Enfin, je vous remercie énormément pour là. Donc là, je vais vous remettre deux à l'honneur. Donc, je vais commencer par ZKH Racing, si je dis pas de bêtises, qui m'avait demandé mes paramètres graphiques parce qu'il n'avait pas ça. Alors qu'il venait de passer sur PC. Donc je vais te les montrer, mais en soi tu vas voir, il n'y a rien de... Excusez-moi. Il n'y a rien de fou. Ah non, ils sont... Ah, je crois plus qu'on peut les avoir... C'est vrai qu'on peut pas les modifier en partie, si je dis pas de bêtises, faut quitter. Je mettrai un screen dans ces cas-là. Je mettrai un screen de mes paramètres graphiques, parce que c'est vrai que c'est dans le menu principal. J'avais complètement oublié. Mais ce qui va changer, tu vois, moi, c'est cette petite touche magique là, où là, ici, tu as la qualité de farming. Tu vois, c'est un petit peu plus flouté, un petit peu plus gris. Et quand j'appuie sur Page Up, tu as directement une différence, un petit peu plus de couleur, un petit peu plus d'ombre. Tu peux faire ça sur plusieurs points de vue. Tu vois? Et ça, donc ça, c'est un shader. C'est pas moi le mieux placé pour te parler des shaders, je t'avouerai. Donc pour ça, il y a Bruno Universimu qui a fait une vidéo, c'est d'ailleurs sur lui que je me suis inspiré. Après, il faut trifouiller un petit peu. Hein. Voilà, là, tu as le menu avec le shader. Donc je mettrai dans la description le lien qui redirige vers la vidéo Bruno Universimu. Et après, avec tout ça, bah là, tu as tous les add-ons. Bah, où tu peux cocher. C'est ici, je crois, ouais. Tac. C'est tout là, tu vois, où ça tu peux reset, tu peux bouger. Bon, j'ai tout réglé, donc je vais pas le faire. Mais tu vois, t'as plusieurs trucs, t'as test. Donc là, je suis resté sur le test, mais tu peux avoir plusieurs shaders pour différents jeux et tout. Et ça, faut trifouiller un petit peu. Et ça va, par contre, c'est extrêmement gourmand. Tu vois, là, je suis à 40 FPS avec le shader activé. Si j'enlève le shader, je suis à. Vous voyez pas, je le laisse monter. Ouais, je suis à 65-70 FPS. Je perds quand même pas mal. Bon, après, honnêtement, on va pas se mentir. Farming, jouer à 40 FPS ou à 120 FPS,
Ça ne change rien, t'as pas besoin d'une fluidité maximale. Je préfère avoir une plus belle qualité graphique plutôt que comment dire, plutôt que d'avoir 200 FPS, enfin 200 FPS pour conduire des tracteurs. Rocket League, je veux bien. Call of, je veux bien. Farming, je vois pas l'intérêt d'avoir 200 FPS. Mais bon, les FPS vont augmenter parce que j'ai une petite surprise qui va arriver donc mardi dans ma boîte aux lettres, je l'espère. J'espère qu'il n'y aura pas de retard, j'espère qu'il n'y aura pas de grève, j'espère que tout ira bien. Mais il y a une petite surprise donc qui va arriver. Et derrière, ça sera pour jeudi, hein, bien évidemment. Ça est la deuxième surprise pour jeudi. Alors j'ai réfléchi à quelque chose et ça sera. Alors comment dire ça sans vous spoiler? Que j'ai envie de vous le dire quand même, j'ai envie de vous mettre l'eau à la bouche. J'ai réfléchi à une façon de dynamiser un petit peu la série. Je serai toujours tout seul sur la série, hein, donc c'est bien une série en solo, il n'y a personne qui va me rejoindre, mais il se pourrait bien qu'il y ait un bâtiment, dire ça, qui nous donne du travail. Je vous en dis pas plus, sinon je vais trop vous dire et ça sera pas intéressant. Et qui nous donnera du travail régulièrement et qu'il faudra qu'on réfléchisse aussi à comment gérer ce business qui nous rapportera, enfin, pas énorme, enfin, ça va pas être cheat, hein, ça va être comme si qu'une organisation nous achetait des trucs plusieurs fois dans l'année, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui sont au courant, il y en a d'autres, je ne pense pas. Mais voilà, je pense pas. Pas que ça a déjà été fait en tout cas enfin récemment sur YouTube, il y en a qui ont dû le faire hein, je sais pas, après je regarde pas tout le monde, mais je me suis dit c'est l'objectif principal de la série, c'était de faire tout ce qu'on peut faire sur Farming 22 en attendant le 25, à part j'ai dit les grosses usines hein. Je pense pas qu'on fera, ou peut-être vraiment à la fin de la série, à l'approche de FS25 sortira peut-être des grosses usines, mais enfin c'est pas du tout la priorité, j'ai vraiment envie de rester dans un peu plus dans l'agriculture. Donc il y aura des petites usines, il y aura des fromageries, des petits trucs comme ça je l'avais dit. Mais faire du pain, je vois pas pourquoi un agriculteur ferait du pain. Enfin, en tout cas pour cette série-là, il y aura peut-être d'autres séries qui arriveront avec là où on fera les usines, on fera d'autres choses, hein, je dis pas le contraire, mais dans cette série-là, ça ne t'aura. Enfin, il n'y aura pas intérêt. Donc du coup, tout ce qu'on peut faire sur Farming 22 en attendant Farming 25. Donc là, il y avait un petit détail qui m'embêtait à propos d'une activité à faire que je trouvais un petit peu nul. Hein. Ceux qui ont bien écouté savent, à mon avis, de quoi je parle. Non, l'ouvrier A, il n'a pas fini son travail. Non, c'est pas encore l'heure de l'apéro. Hein? Tu vas me baisser cette chauffeuse. Cette faucheuse. Et tu vas tondre la pelouse, s'il te plaît. Enfin, de la pelouse, c'est de l'herbe, mais c'est pareil. Non, mais dis donc. Eh. Ça y est, les gars, 15h, il a fini sa journée, il remballe. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Donc voilà, donc, par rapport à une petite activité. Par rapport à une activité que. Enfin, que j'aime bien, mais. Que je trouve. Enfin, je trouve qu'elle a mal été gérée. Il y en a plusieurs. Mal été gérée par Farming. Et là, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire ça? Ça peut être fun et ça va nous obliger à. Enfin, on va pas faire des choses inutilement, on va dire. On devra faire des choses pour ce bâtiment-là. Et franchement, j'ai trop hâte. Je vais tout mettre en place mardi et jeudi, ça va être cool, franchement. Du coup, oui, c'est vrai. Deuxième petit commentaire, hein, parce que je me perds aujourd'hui. Ça se voit que je suis un petit peu à l'ouest, mais bon, c'est pas grave. Il y avait donc mon cher ami Alex, hein, qui m'avait dit, prends des note, alors. Parce que l'idée, elle est notée en bas, donc je vais pas non plus vous spoil. Mais voilà, donc j'ai bien suivi ton conseil, hein, j'ai commencé à. Oh, ici, là-bas. À prendre des notes, au moins je sais ce qu'on a à faire dans la vidéo, ça m'évite d'oublier des choses. On est déjà à 20 minutes. Ouais, 20, je suis déjà à plus de 20 minutes de vidéo, mais après il y aura des trucs coupés, bon. Je sais pas si. Après, je vous ferai peut-être un accéléré de la fin de la mission parce qu'on a encore pas mal de choses à faire dans cette vidéo pour pouvoir justement préparer l'arrivée jeudi de cet épisode-là. Donc, on reprendra donc les moissons lundi, je pense,
dans une semaine, hein. Parce que l'autre épisode sera consacré à... Oh, en vrai, je sais pas, peut-être pas. On verra, on verra. Alors, tac. Parce que ouais, j'évite vraiment, hein, j'ai pas envie de vous... Par contre, non, je vais arrêter parce que je vais prendre un petit peu trop d'herbe à mon goût. On va aller chercher ça. Puis, on va continuer à faner. Parce que j'avais mis quoi du coup, ce qu'on avait à faire? Ouais, c'était finir les deux contrats. Donc après, il faut encore charger les ballots. Ouais, le bol de fond. Merde, ah, il est là-bas. Ça, va nourrir les vaches, mais oui, c'est vrai, ça, je l'ai préparé en off, faut juste qu'on aille, mais on a plus de tracteur. On le fera en dernier, quand les tracteurs ils rentreront à la ferme, y a pas de souci. Et puis, ouais, puis vendre les six balanciers. Ouais, ça sera, c'est vraiment un épisode full bot, hein. Alors là, c'est vraiment quelque chose de full bot. Bon, je sais qu'il y en a certains qui apprécient moins. Là, je suis désolé. Là, en fait, à partir de ce moment-là, je pense que la série va se débloquer puisqu'on va pouvoir commencer à les deux prochains épisodes, on va pouvoir commencer à gagner de l'argent plus facilement. Enfin, plus pas cheater, hein. Je veux vraiment pas que la série elle devienne facile et qu'on se fasse du 1 million par an. Ça a aucun intérêt là tout de suite la première année. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais on non il y a ah non je croyais qu'elle avait arrêté de travailler. Mais on pourra gagner plus régulièrement de l'argent, on va dire ça. Bon les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ce contrat en off. Ouais, je vais le finir en off parce qu'en accéléré, ça va être un petit peu long. Et on se retrouve donc pour la vente, pour le chargement des ballots de paille et puis pour la vente. Bon les amis, on se retrouve donc directement pour vous après presque 45 minutes pour moi. Je m'attendais pas que ce soit aussi long. Vraiment, à l'erreur de ne pas avoir acheté ou loué une barre de coupe plus grande. C'est un enfer. C'est un enfer cette faucheuse, cette barre de coupe. De faucheuse, pardon, je me mélange. C'est un enfer. Vraiment, cette petite faucheuse qu'on a, c'est vraiment un enfer. J'espère jusqu'à la fin de la vidéo, on va pouvoir. On aura un petit peu de fonds conséquents. Et là, je vous assure, on fait péter le chéquier pour s'acheter un petit groupe de faucheuses sympathiques. Hein. Donc là, vous le voyez, hein, petit plateau. J'ai chargé donc tout en haut. Enfin, je me suis pas embêté, je vous avouerai. Pour gagner du temps, parce que sinon, je crois que la vidéo, elle va durer 1 heure. Donc, l'avantage, vous voyez, on a 58 500 litres de foin. Et ça, c'est quand même fou. Puisque le champ qu'on va acheter, il est un tout petit peu plus grand. Donc, je pense qu'on va pouvoir avoir les 60 000 litres d'herbe, du coup, hein, ou de foin. Donc, ça, au niveau du rendement, ça va être vraiment topissime pour le grand projet qui va arriver. Donc, jeudi, hein, je le rappelle. Et ça va être oufissime. Donc là, on est parti vendre à la foire agricole. Donc pour ceux qui ont bien suivi les épisodes, vous avez vu, hein, c'est une petite foire agricole que j'ai posée dans le centre-ville du village. Pour les autres, on va la voir tout de suite. Donc, on avait dit qu'on n'allait pas vendre de façon abusée à cette foire-là. Hein. Donc bien évidemment, tout ce qui sera nos récoltes, on ne pourra pas aller vendre 68 000 litres de foin là-bas. Là, c'est l'émission, donc malheureusement, l'émission, c'est pas nous qui décidons où on livre, c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Un marché local qui t'achète 60 000 litres de foin. La vache, c'est qui crève la dalle, les paysans. Non, plus sérieusement. Où est-ce que je peux passer? On va passer ici par quoi? Est-ce que ça va passer? Ah, en vrai, notre petit plateau, je pouvais plus le voir, mais finalement ça va. Le Valtra, il arrive bien à le tirer. C'est ça aussi qui est cool. On va prendre le sens interdit, hein, malheureusement. C'est pour ça que je voulais pas vendre énormément de trucs, parce qu'on peut pas venir avec des bennes. En fait, l'idéal, ça serait de venir avec le petit. Ah. Il va me la prendre quand même. C'est quand même une remorque. Alors là, par contre, non, donc c'est bien là-bas. Alors, ah, faut peut-être les, ah, s'il faut les poser, j'avais pas anticipé ça, les amis. Ah non, il te prend, non, c'est, bah non. Ah, ok, non, non, il ne prend pas. Bon, on va tenter de, alors désolé, je vais mettre la super force.
Parce qu'on va tenter de les poser comme ça alors. A few moments Ok later. les amis, c'est bon, j'ai trouvé. Alors là je sais pas pourquoi en fait, donc faut que je les décharge à la main. Je les mette ici. Et ça part, hein. Si je vais sur le tracteur, je vais réessayer, mais sur le tracteur ça ne fonctionne pas. J'ai comme ça, non je crois pas qu'il me les prend. Par contre 53% déjà transporté. Ça paraît beaucoup. Bon, c'est pas grave, hein. On va tout vider comme ça, c'est pas du tout RP, mais j'aurais pas fait une erreur. Hein. Ah non, de 90% des balles, ouais, je sais pas. Pas grave. On va faire ces tacs. Donc on va tout livrer. Oh, au moins ça va, j'ai eu peur, j'allais dire non. Oh, ouais, j'ai la super force. C'est horrible, c'est horrible. Cette vidéo est un enfer, je vous l'assure. Y a rien qui fonctionne dans cette vidéo. Et ah, ça me saoule. Je suis énervé. J'aime pas quand ça fonctionne pas comme ça. Là, c'est véritablement un enfer, vraiment. Il y a une balle qui est là-bas. Ah non, 50, 58. J'ai même pas la là, je prends même pas le tracteur. Waouh. Bon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Je m'excuse pour le. Pour le petit. Genre de la petite vidéo chaotique. Ah, donc ça a même commencé en fait pour le champ 81. Ok, d'accord. Bon, ce qu'on va faire. Je vais vous refaire une ellipse, hein, et puis ouais, on va faire un truc, les amis. On va arrêter ce carnage sur la vente des ballots de paille. On va faire une ellipse. On se retrouve à la ferme pour aller vendre nos balles d'ensilage et nos hernes aux vaches directement au marchand de bah au marchand de vaches. Hein, À tout de suite, les amis. Bon, les amis, on se retrouve donc à la ferme où cette fois-ci on va charger ensemble les ballots. Les ballons 6 balles dans Rubanet pour aller les vendre. On ira vite fait donner à manger aux vaches également. En espérant cette fois-ci que tout se passe bien. Enfin, je suis vraiment désolé pour la qualité de cet épisode qui est complètement mais désastreux. J'avais prévu de le tourner en 45 minutes. Je suis quasiment à plus à presque 2 heures de tournage parce qu'il n'y a strictement rien qui va. Bah, vous l'avez vu, de toute façon, entre le fait que je me mue toutes les 10 secondes pour pouvoir éternuer, enfin j'exagère. Les bugs là qu'on a eu pour le contrat, l'impossibilité de vendre les ballots. Je me suis également rendu compte qu'en fait vous avez quasiment pas le son du jeu qui était carrément baissé à fond. Je sais même pas comment c'est possible. J'ai dû baisser le dernier coup, peut-être que je devais regarder une vidéo en faisant le contrat en off et je l'ai pas remis. Enfin je sais pas. Clairement, je crois que c'est l'épisode le plus chaotique depuis le début de la série et je m'en excuse sincèrement. C'est j'aime vraiment pas présenter du coup comme ça. Je sais bien que tout ne peut pas être parfait et pas être de qualité, enfin de la meilleure qualité possible. Et là, franchement, c'est parce que, enfin, je peux pas recommencer cet épisode. Hein. Il y a déjà eu des sauvegardes et tout. Je vous l'ai dit, j'ai tourné pendant 2 heures. Qui aurait aucun sens à retourner l'épisode, mais je suis vraiment dégoûté de la qualité du contenu que je vais vous proposer. Hein. Heureusement, en soi, c'est pas, enfin, c'est des ballots, c'est des balles. On en a fait pas mal, donc c'est pas un nouveau gameplay, mais waouh. Enfin, je suis complètement saoulé. Je vais avoir un gros travail de montage parce que. Voilà, ce qui s'est passé restera en off, mais que ça, sincèrement, je me suis auto-soulé, quoi. C'est un truc de fou. Hop, ce qu'on va faire tout de suite, c'est ça. J'ai tout de suite montré dans. Non, 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 vous voyez. Allez, on reprend. Je suis toujours en super force depuis tout à l'heure, ça me saoule cette super force. Ouais, je peux plus monter dans mon tracteur, si c'est bon. Je voulais monter pour sangler et depuis tout à l'heure je fais que ça avec la super force. Je reste zen, je m'énerve pas. Mais
Waouh, je pense que jusqu'au bout, la qualité de cet épisode, il va être désastreux. Bon, on en rigolera dans les prochaines semaines, hein, dans les prochains épisodes. Hein. Et là, je vous avoue, je suis un peu à cran. Le rire, il est nerveux. Alors, ce qu'on va faire, tant pis. Hein. Ah, je m'excuse, hein, on va poser ça. Là, comme ça, ne roule pas, s'il te plaît, je t'en supplie. Là, t'allumes dans les buissons. Tac. La pose des contres. Allez, reste comme ça. Tac, voilà. Ouf, ce que je vais faire tout de suite. Alors, est-ce que j'ai la super force? Non, j'ai pas la super force d'activer. On appuie sur L. C'est sanglé, les amis. C'est sanglé. On ira nourrir les vaches juste après. On va tout de suite aller vendre nos 21 000 litres d'enrubanés aux marchands de bétail pour qu'ils puissent nourrir ces vaches. Bon, ouais, cet épisode, on va bien en rigoler, hein. Je suis sûr que dans plusieurs semaines, on en rigolera. Quand je vais démarrer mes lives, parce que oui, je me prépare à démarrer les lives, hein, ça, vous inquiétez pas. Justement, hein, ce que je vais recevoir, ça sera pour m'aider à faire les lives. On en rigolera de cet épisode, j'en suis sûr. Donc non, là, malheureusement... Ah si, c'est bon, ça se vend. Nickel. Ouf, un petit peu de... De bonnes nouvelles dans ce monde de brutes. Donc, on va sauter directement dans ce Fort 7710. On va nourrir nos vaches. Logiquement, je pense que je peux atteler la mélangeuse à ça, à la masse. Hein, il y a la pile à attelage. Nickel. Par contre, il doit avoir beaucoup de poids à l'arrière. Là, le train arrière, il doit prendre cher, à mon avis. Allez, on va leur donner un petit peu à manger. Ensuite, on va récupérer le solde d'émission. On va acheter ce champ et on ira faire la conclusion dans notre nouvelle parcelle. Oui, ration totale mélangée. Enfin, un truc qui bug pas. Enfin, un petit truc qui bug pas pour nos petites vaches. Regardez, elles sont heureuses. Elles sont heureuses, les fifilles. Je fais ça le petit, comme ça au ralenti, j'aime bien. Ah, enfin un truc que j'aime bien dans cette vidéo. Enfin un truc que je trouve sympathique. Allez, tac, donc là, les amis, et voilà, la 20e sauvegarde en cours de cet épisode. Et je vais aller dormir après, il m'aura fatigué cet épisode, moi je vous le dis. On va récupérer nos contrats. Hop, et du coup, les amis, on a 46 000. L'euro sur notre compte en banque, quasiment 47 000. Et on va enfin pouvoir aller ici, prendre la parcelle 98, acheter 31 000. Oui, il nous reste 14 000. On va aller faire tout de suite la conclusion, comme j'aime bien la faire. Hop, on enlève ça. J'ai aussi modifié en grand parce que c'est nul, du coup ça gâche un peu. Je vais me laisser en petit. De toute façon, c'est pas gênant. Donc, les amis, on a enfin réussi l'objectif de cette vidéo d'acheter cette foutue parcelle 98. Hey, je vous assure, j'ai l'impression que c'est moi qui ai travaillé en vrai. Hein, je suis usé de cette vidéo qui est what the fuck complètement, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, ici, je vous mets en quintuple exemplaire parce qu'on accorde 14 000 euros sur le compte, si je dis pas de bêtises. Oui, on va avoir une nouvelle faucheuse pour le prochain épisode. Là, vous avez tous les bons commandes qui sont là, si j'ai pas pété un câble au montage. Et enfin, on va pouvoir faucher un petit peu plus rapidement et se détendre calmement. Bon, je m'excuse encore pour cet épisode complètement chaotique. On se retrouve jeudi pour un épisode qui devrait être incroyable. Enfin, je vous prépare un truc de dingue et j'espère qu'il n'y aura pas de faille. J'espère qu'il sera de meilleure qualité. En tout cas, je vous dis oui. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. On se retrouve à jeudi. Allez, salut les amis.